la Confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels et le ministère de la Compassion des âmes, MCA, organisent un puissant moment d'orientation prophétique, de délivrance et de restauration des âmes avec le prophète Joël Crasso, maréchal de la brigade anti-sorcier. Thème: comment être délivré des liens de la sorcellerie? Tu souffres des œuvres de la sorcellerie? Envoûtement, paume sèche, manque de stabilité, longtemps tu es dans les liens et tu ne comprends plus ce qui t'arrive. Tu as énuméré un certain nombre de projets à réaliser pour l'année 2018. Viens expérimenter la puissance du Dieu vivant pendant ce moment de prière. À Divo, derrière la CNPS, tous les jours suivis de rencontres prophétiques. Contact 32 76 38 90 47 07 23 28 07 92 99 11. Que Dieu te bénisse. J'avais un souci parce que deux jours, les gens qui sont sur Facebook sont en train de poser la question. Ils n'arrivent pas à voir le direct du prophète Crasso parce qu'on faisait ça à partir de mon compte Facebook. Il y a ce qu'on appelle la page et puis il y a ce qu'on appelle le compte. La page, il faut envoyer, n'est-ce pas, une demande afin que le prophète valide et plutôt le compte. Le compte, c'est il faut au moins 5 000 amis. À partir de 5 000 amis, on ne peut plus avoir d'autres amis. Donc, on n'a pas accès au prophète facilement. Bon, ceux qui sont sur le compte, ok. Maintenant, la page n'a pas besoin de faire une demande. Tu vas directement sur la page et puis tu fais un abonnement. Voilà, nous sommes en train d'utiliser les réseaux sociaux pour communiquer. Voilà, vous partez sur Facebook. Vous partez sur Facebook. Vous cherchez prophète Joël Crasso, ministère Facebook. Partez sur Facebook, prophète Joël Crasso, ministère. Vous regardez, vous cliquez abonnement, vous même cliquez ami, j'aime, vous mettez j'aime, vous êtes déjà abonné. Maintenant, pour reconnaître le vrai Facebook du faux, regardez les activités récentes. Vous allez voir, si vous regardez sur la page, les activités, elles ne sont pas récentes, elles datent des années, des mois. Et méfiez-vous de ces gens. Parce que plusieurs fois, les gens essayent de... Ils utilisent même toujours, mais on essaie de les prendre. Les vrais gens qui le savent, ils savent que je n'ai jamais demandé l'argent sur Facebook. Ça, ceux qui me connaissent, ils savent ça. Je n'ai jamais demandé l'argent sur Facebook. Moi, je ne fais jamais ça. Je n'ai jamais demandé l'argent sur Facebook. Tous ceux qui veulent nous faire des dons, je les conduis au secrétariat. Tous ceux qui veulent faire des dons, j'ai toujours dit, yes. Il y a un comptable qui s'occupe de l'argent ici. Vous l'appelez et celui qui le fait. Maintenant, si tu m'as trouvé au bureau, que tu m'as donné une enveloppe, j'ai pas, je mets dans ma poche. Vous payez mon carburant, allez manger. Vous voulez, j'ai grossi, va attraper son site. Voilà, donc tout ce qui est conseil de ministère, j'ai un comptable qui est là, vous l'appelez, on vous donne son nom, vous le faites, Winston Union, parce que là, il faut que les traces restent, il a des points à faire. Donc ici, c'est bien structuré, mais on ne demande jamais. Voilà, c'est vrai qu'il y a d'autres dans la qui demandent l'argent. Celui qui vous demande l'argent sur Facebook, qui c'est pas moi, méfiez-vous. Voilà. Méfiez-vous. Les argent vous donnez, donnez là. Méfiez-vous. Amen. Donc, je suis en train de résoudre un problème. Plainte, se plaignait. Maintenant, participe page. La page Facebook, vous cliquez. Page prophète Joël Crasso, ministère. Prophète Joël Crasso, ministère. Et vous cliquez j'aime. C'est-à-dire, faites l'abonnement. Vous êtes direct sur la page, vous avez des actualités, et vous avez l'exclusivité de nos actualités. Voilà, donc que Dieu bénisse. On dit amen. Voilà, que Dieu quelqu'un soit béni. Amen. Voilà, donc c'est ça. Pour ceux qui veulent nous suivre, il n'y a pas de problème. Déjà, moi-même, j'ai commencé. Tous ceux qui m'écrivent sur les pages, la page, c'est moi-même qui l'anime. C'est vrai qu'on a commencé à animer avec les informaticiens. Mais tous ceux qui m'écrivent maintenant sur la page, je commence à les répondre. Je me lève matin déjà. Mais compte Facebook, c'est un peu trop rare. C'est vrai que si je te connais, j'écris. Parce qu'il y a trop de gens bizarres sur Facebook. Voilà, trop de gens bizarres sur Facebook. Voilà, donc c'est un peu ça. Dès que vous êtes sur la page que vous m'écrivez, matin très tôt, rien que le matin, quand je me réveille après la prière, je commence à répondre aux gens. Amen. Amen. Ça va? Ça va. Ça peut aller? Amen.